Je souhaite donc la plus cordiale bienvenue à cette journée d'échange consacrée à un enjeu majeur pour la transition, le processus référendaire et électoral. D'entrée de jeu, je tiens à faire remarquer qu'il s'agit d'une rencontre essentielle et attendue dans le cadre de nos efforts pour mener à bien le processus référendaire et électoral à venir. Je tiens à vous remercier pour votre présence et votre engagement à contribuer à ce chantier de grande envergure qui est à la fois un défi et une opportunité pour notre nation. Nous sommes réunis aujourd'hui dans un contexte historique où la confiance des citoyens dans nos institutions et la transparence du processus électoral sont plus que jamais des enjeux de première importance. Les élections à venir doivent non seulement être organisées dans les meilleures conditions possibles, mais elles doivent également répondre aux attentes légitimes de la population en matière d'équité, d'inclusion, de sécurité et de participation. Le défi qui se dessine à l'horizon des prochaines joutes électorales sont nombreux. La tâche sera très difficile, en dépit des compétences en la matière, si chacun prétend être le seul à avoir la stratégie qui donnera le résultat attendu. Par contre, si les différents acteurs du processus s'entendent pour définir une stratégie commune, un partage de responsabilités qui tient compte du rôle de chaque partie prenante, le résultat sera atteint. L'un des objectifs majeurs de cette journée est d'instituer un véritable espace d'échange où chaque acteur puisse partager ses préoccupations, ses réflexions et ses expériences. Nous avons tous un rôle à jouer dans la préparation et la mise en œuvre de ce processus. Et c'est à travers un dialogue constructif que nous pourrons identifier les défis à relever et surtout formuler des pistes de solutions adoptées. En effet, le processus électoral est loin d'être exempt de défis, des défis techniques et logistiques liés à l'organisation des scrutins, à la gestion des listes électorales, à l'acheminement du matériel et à la sécurisation des lieux de vote. Des défis liés à la confiance des citoyens et citoyennes et des partis politiques qui doivent être convaincus de la transparence et de la légitimité du processus. Et enfin, des défis techniques et sociaux, car nous devons veiller à ce que chaque voix soit entendue et que les résultats des élections soient acceptés de manière pacifique par tous et par toutes. Ainsi, à travers cette journée d'échange, nous visons non seulement à discuter des défis que nous rencontrons, mais aussi à proposer des pistes de solutions concrètes. Comment rendre ce processus plus transparent? Comment renforcer la participation citoyenne et assurer une sécurité optimale pour tous les électeurs? Quels mécanismes pouvons-nous mettre en place pour gérer les contentieux électoraux et garantir que les résultats soient respectés par tous et par toutes? Comment procéder pour sensibiliser la population à participer aux élections? Comment ne pas laisser de côté la diaspora, ou pour mieux dire, se faire comprendre même nos compatriotes vivant à l'étranger dans les prochaines élections? Comment veiller à ce que les femmes, nos vaillantes femmes, trouvent leur vraie place, non seulement comme électrices, candidates et élues dans les prochaines élections? Ce sont là des questions que nous devons aborder, avec le souci de trouver des solutions pratiques et réalistes, adaptées à nos spécificités. Cette journée est donc un moment clé pour rassembler nos idées,
et nos propositions pour avancer ensemble dans la même direction. Nous avons tous un objectif commun, activer un processus électoral juste, transparent, inclusif et digne de la confiance de la population haïtienne. Pour y parvenir, il est impératif que nous collaborions, que nous partagions nos expertises et que nous nous écoutions. Je vous encourage donc à participer activement à cette journée, à faire part de vos observations et à contribuer aux discussions. Chaque idée, chaque proposition est précieuse et pourra nourrir notre réflexion collective pour trouver des solutions efficaces. Je suis convaincu, en tant que conseiller président porteur de ce chantier, que grâce à notre engagement et à notre coopération, nous serons à même de surmonter les défis qui se dressent devant nous et d'assurer la réussite de ce processus électoral dans l'intérêt supérieur de notre pays et de notre peuple. C'est avec un profond sens de responsabilité et de conviction que je m'adresse à vous aujourd'hui, en ce moment crucial pour notre avenir démocratique. Nous sommes réunis ici dans le cadre d'une journée d'échange dédiée à un chantier majeur de la transition, le processus référendaire et électoral qui s'annonce. Tout d'abord, permettez-moi de saluer la présence de chacun d'entre vous, acteurs politiques, représentants de la société civile, experts en gouvernance, en droit électoral, ainsi que nos partenaires internationaux. Votre engagement et votre participation à ce forum sont non seulement le signe d'un intérêt partagé pour l'avenir de notre pays, mais aussi un gage de l'importance que nous accordons tous à la réussite de ce moment historique pour notre nation. La période que nous traversons aujourd'hui est marquée par des défis complexes et de multiples attentes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays. Ces défis sont importants, mais je suis convaincu que si nous travaillons ensemble, dans un esprit de consensus et de dialogue, nous parviendrons à franchir ces obstacles et à poser les fondations solides d'un avenir plus démocratique, plus inclusif et plus prospère. Le processus électoral qui s'annonce n'est pas seulement une question d'organisation technique. Il s'agit d'un moment décisif qui marquera notre capacité à renouer avec les principes fondamentaux de la démocratie, la transparence, l'équité, l'inclusion et surtout la participation active de chaque citoyen. Cependant, comme vous le savez, organiser des élections libres, transparentes et crédibles n'est jamais une tâche aisée en Haïti. Mais il existe aussi des solutions. C'est précisément ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Dans l'Union, nous devons réfléchir et proposer des mécanismes adaptés pour chaque problématique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en ouvrant cette journée de réflexion et de travail, je tiens à souligner que le succès du processus électoral dépend de nous tous. Nous devons sensibiliser nos concitoyens et inviter chacun d'eux à intégrer pleinement ce processus de reconstruction et de redressement de notre démocratie. Nous avons le devoir de faire en sorte que les prochaines élections soient les plus transparentes, les plus inclusives et les plus crédibles de notre histoire. C'est là notre engagement, c'est là notre responsabilité collective. Et c'est dans cet esprit que je vous invite à débattre et à proposer des solutions concrètes pour que nos jeunes retrouvent un socle leur permettant de reprendre notre marche de peuple indépendant. Je suis convaincu que grâce à votre expertise, votre engagement et votre sens du collectif, nous réussirons à gagner ce pari sur notre futur. Nous ferons en sorte que ces élections ne soient pas seulement un événement politique, mais un véritable tournant pour notre démocratie, un moment où chaque voix comptera réellement. J'y entrevois le souci des acteurs de se mettre en synergie pour le partage des idées et des expériences en vue de la réalisation d'élections crédibles dans le pays, l'une des étapes décisives à la réussite de la transition démocratique. Nous avons essayé mettre formule de transition depuis 1986. Nous avons connu maints
et mes échecs. Le fait est qu'une transition réussie implique une vision, un consensus des priorités, une élévation d'esprit, une manière de faire. Le Conseil électoral provisoire, dont je suis le président, est pleinement conscient des difficultés actuelles du pays et de sa mission. Point n'est besoin de décrire ici le contexte de crise dans lequel le Conseil est appelé à organiser le référendum et les prochaines élections générales dans le pays. Crise politique et sécuritaire, crise économique et financière, crise sociale et humanitaire. Cette rencontre nous offre l'occasion d'examiner ensemble le chemin à parcourir, d'identifier les blocages, d'évaluer les besoins, de renforcer les partenariats indispensables pour l'organisation d'élections crédibles dans tout le pays et à tous les niveaux. Les prochaines élections ne doivent ni tout simplement déplacer les problèmes, ni induire de nouvelles crises dans le pays, comme c'est malheureusement trop souvent le cas. Elles doivent nous permettre d'en finir avec l'instabilité politique qui a causé beaucoup de tort à notre pays. Ces élections n'auront de sens que si elles permettent de mettre un terme aux crises persistantes qui secouent et avilissent notre pays. Le Conseil électoral provisoire saura agir en toute indépendance pour l'organisation et la réussite d'élections crédibles dans le pays. Le Conseil, sous mon impulsion et celle de mes distingués collègues, est disposé à travailler en étroite collaboration avec toutes les instances de l'État concernées par la question des élections. En ce moment même, résonnent à mes oreilles les termes du serment que j'ai eu à prêter devant la Cour de cassation. J'ai juré de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. C'est sur ces principes que mes collègues et moi, nous voulons être jugés au terme de notre mission. Le Conseil sera à l'écoute de tous les secteurs de la vie nationale et accordera une attention particulière aux discussions avec tous les candidats, les partis, les groupements de partis et les organisations de la société civile. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour encourager la plus large participation citoyenne possible aux prochaines élections, particulièrement celles des femmes et des jeunes, souvent désintéressés ou mis à l'écart. Le Conseil est ouvert à tout ce qui peut favoriser la transparence du processus d'un bout à l'autre. Le Conseil restera attentif aux revendications légitimes du peuple qui a trop souffert de l'instabilité et de ses nombreuses conséquences. Sans préjuger des résultats des travaux du comité de pilotage de la conférence, le Conseil attend avec impatience de travailler avec les Haïtiens de l'étranger en vue de leur implication effective dans le processus électoral de leur pays. Sur un autre plan, le Conseil électoral provisoire espère que des moyens adéquats seront mis à sa disposition en temps réel pour l'organisation du référendum et d'élections crédibles, afin que le pays puisse disposer, dans le meilleur délai, d'autorités légitimes, pétries du sens de la dignité. Le Conseil inscrira son action dans le cadre de la modernisation de l'institution électorale. Pour y parvenir, au nom de tous mes collègues, j'encourage les uns et les autres à faire preuve de beaucoup d'abnégation
et à agir dans le sens des aspirations légitimes du peuple haïtien, en particulier celles des couches défavorisées. Peuple a gardé nous. Haïtien l'autre boyo a gardé nous. Yo bouke nan vire ou anou yo. An nou baye peyi ya on chans. Yon met men avec lot pou nou baye peyi nou on chans. Soyez assurés, mesdames, messieurs, que le conseil électoral provisoire prendra toute sa part dans les efforts nécessaires pour la réussite de cette transition qui n'en finit pas. Nous parlons de transition vers la démocratie et l'état de droit en Haïti depuis près de 40 ans. Aujourd'hui encore, j'ai comme l'impression que nous sommes pratiquement à la case de départ. Il nous faudra, bien évidemment, un minimum de consensus pour avancer dans la bonne et irréversible direction. Le serment que nous avons prêté par devant la Cour de cassation continuera de résonner à nos oreilles. Les principes de ce serment sont fort heureusement repris à l'article 5 de l'arrêté du 18 septembre 2024 fixant notre mandat. Les membres du Conseil électoral provisoire ont l'obligation de se conformer aux principes de l'intégrité, l'impartialité, l'indépendance et la neutralité à l'égard de tous les acteurs dans l'exercice de leur mandat et de se garder de tout conflit d'intérêts ou tout autre comportement de nature à compromettre la confiance du public dans l'institution électorale. Faisons de notre mieux, nous tous, pour que notre pays puisse s'engager une fois pour toutes sur la voie de la stabilité, la prospérité, la cohésion sociale et retrouver ainsi sa dignité et la place qui est la sienne dans le concert des nations. Je suis vraiment heureux du grand honneur qui m'est choix de pouvoir prendre la parole à la cérémonie d'ouverture de la journée d'échange avec les acteurs que la présidence de la République organise opportunément autour du processus référendaire et électoral sur le thème ô combien expressif et significatif, les défis et les pistes de solution du processus référendaire et électoral. Cette activité, elle intervient dans un contexte où le Conseil présidentiel et le gouvernement de transition sont en train de déployer tous les efforts et de mobiliser toutes les énergies nécessaires en vue de la réalisation de deux missions principales de la transition selon les prescrits de l'article 1er alinéa 1 et 2 de l'accord du 3 avril 2024, en l'occurrence la réforme constitutionnelle et les élections. Permettez-moi de remercier le Conseil présidentiel de transition d'avoir bien voulu associer le ministère de la Justice et de la Sécurité publique à cet exercice d'une extrême importance pour la réussite de la transition démocratique. Ces échanges, je l'espère vivement, contribueront significativement à la mise en œuvre et à la réussite de ces chantiers du pouvoir de transition pour le plus grand bien de la nation tout entière qui cherche une voie de sortie à cette crise politique qui la terrifie et empoisonne son quotidien depuis plus de 3 ans. Mesdames, Messieurs, l'organisation de cette journée d'échange quelques 3 semaines après l'installation du Conseil électoral provisoire est sans contexte aucun une étape extrêmement importante vers la réforme constitutionnelle et la mise en route de la machine électorale. Elle participe de la détermination et de la volonté inébranlable du pouvoir en place, en particulier du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement, d'assumer sa responsabilité historique et d'engager tous les acteurs concernés, c'est-à-dire les forces vives de la nation, dans le processus référendaire et électoral. Étant entendu que la réussite de ce processus conditionne la remise en fonctionnement sur une base durable et viable des institutions républicaines
ainsi que la stabilité sociopolitique du pays. Il est évident, cependant, que le chemin de la réussite du processus est parsemé d'embûches, en d'autres termes, que les enjeux sont de taille et les défis à relever sont énormes, d'où la pertinence du thème de cette journée d'échange avec les acteurs. Nous vivons en effet une situation à la fois difficile et complexe où, depuis environ 8 ans, le processus de démocratisation de la vie politique haïtienne, initié sous l'emprise de la Constitution de 1987, est en panne. En effet, les dernières joutes électorales réalisées en Haïti remontent à la fin de l'année 2016, ce qui a plongé le pays dans un imbroglio politico-institutionnel qui s'est aggravé avec l'assassinat crapuleux de l'ex-président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Le vide politique créé au plus haut niveau de l'État par cet événement tragique qui s'est greffé sur l'absence ou le dysfonctionnement des autres structures de pouvoir tarde jusqu'à présent à être comblé en dépit d'une première expérience de pouvoir de transition qui a duré moins de 31 mois. À cela s'ajoute bien entendu la quasi-généralisation de la violence des gangs armés qui envenime la situation et exacerbe la misère et le désarroi de la population. Le pouvoir de transition, mis en place sur la base de l'accord politique pour une transition politique pacifique et ordonnée, a pour responsabilité historique d'œuvrer au sauvetage de la BAC nationale par la création d'un climat sociopolitique apaisé et la facilitation du retour à l'ordre démocratique et institutionnel. Pour y parvenir, il s'attelle résolument, conformément à l'esprit et à la lettre du dit accord, à rétablir la sécurité de l'ordre public sur toute l'étendue du territoire, à mettre en œuvre les réformes constitutionnelles et institutionnelles, à améliorer les conditions d'existence de la population et à créer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections générales dans le courant de l'année 2026. Sur cette base, et en application stricte de la feuille de route qui lui a été assignée par le chef du gouvernement de concert avec le Conseil présidentiel de transition, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique que j'ai l'honneur et le privilège de diriger, outre les interventions, actions et activités entrant dans le champ de sa compétence et de ses attributions constitutionnelles, a entrepris et continue de travailler en étroite collaboration avec les autorités judiciaires, policières, ainsi qu'avec ses partenaires tant internes qu'externes en vue de combattre la criminalité sous toutes ses formes, mettre à jour constamment et rendre plus adapté et plus efficace le plan d'opération de la police nationale d'Haïti visant le démantèlement des groupes armés et d'autres organisations à travers le territoire national, coordonné avec la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion en vue de rendre cette structure plus active et d'actualiser son plan de désarmement dans le cadre de l'intensification de la lutte contre la criminalité et le banditisme. Travailler sur une base régulière avec le haut commandement de la police nationale d'Haïti en vue du renforcement des capacités techniques et opérationnel des forces de police, lancer le processus de révision de la loi portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques, finaliser le travail d'actualisation de la liste des partis politiques habilités à fonctionner sur le territoire national et à participer aux élections, contribuer en coordination avec l'Office national d'identification à l'évaluation et l'actualisation du système d'identification des électeurs. Cette activité, parmi beaucoup d'autres, non moins importantes, s'inscrivent dans le cadre spécifique des efforts visant le rétablissement de la sécurité publique pour faciliter le retour à la vie normale, assurer la protection des vies et des biens de la population et de la perspective de l'organisation du référendum constitutionnel et des élections générales à venir dans le pays. Il est important de souligner que les plus hautes autorités de l'État ont fait de leur mieux pour favoriser l'augmentation substantielle des ressources budgétaires allouées au ministère, donc à la justice et la sécurité publique dans le budget de l'exercice fiscal 2024-2025. Ce qui nous facilite amplement la tâche en ce qui concerne les démarches visant à renforcer les infrastructures judiciaires et policières et surtout à doter les forces de l'ordre de matériel et d'équipements adéquats pour accomplir leurs missions dans les meilleures conditions possibles. En témoigne l'intensification progressive de la présence et des interventions policières observées au cours des dernières semaines, particulièrement dans les zones se retrouvant sous le contrôle des groupes armés et qui ne tarderont pas à donner des résultats probants
dans le sens de l'apaisement du climat sécuritaire tant attendu et espéré par la population. Nous sommes très confiants quant à la possibilité d'une amélioration sensible de la situation sécuritaire du pays dans un avenir pas trop lointain. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Premier ministre, l'organisation des élections générales dans le pays en 2026, comme celle du référendum constitutionnel, n'est pas une option, c'est une obligation. Elle implique la mobilisation, l'engagement de tous et de chacun, mais aussi et surtout la mobilisation d'importantes ressources et énergies. Commençons dès maintenant à travailler en parfaite harmonie et à mutualiser nos efforts dans cette perspective. Nous devons ce sacrifice à la patrie commune et à la population qui a trop souffert de ce vide institutionnel et ce déficit démocratique, matiné d'une crise sécuritaire qui ont tendance à avoir la vie dure. Cette situation a énormément contribué à la perte de confiance de la population haïtienne dans les institutions publiques et étatiques. Il est donc grand temps pour nous de concentrer nos forces et nos moyens sur la dynamisation nécessaire des pratiques démocratiques à travers des processus décisionnels participatifs, donc à travers des élections qui sont susceptibles de renforcer notre culture politique et la cohésion sociale dans le pays. Cet espace de dialogue ingénieusement créé par la présidence et le conseil et le gouvernement est indubitablement de nature à faciliter cette mise en commun et cette convergence de vision et d'action pour redonner vie à notre expérience démocratique et refonder la nation. Que chacun apporte sa pierre à l'édifice de manière désintéressée, mais avec toute la clairvoyance nécessaire et dans un véritable sursaut collectif et patriotique. Au nom du gouvernement de transition, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique est tout à fait déterminé et engagé à continuer de jouer son rôle et à assumer la responsabilité qui l'incombe pendant tout le processus référendaire électoral en accompagnant les institutions et les acteurs concernés, notamment en fournissant la garantie de sécurité et l'encadrement juridique dont ils ont besoin. Nous poursuivrons et intensifierons nos efforts pour assurer un environnement sécuritaire, particulièrement un environnement électoral sécurisé, de manière à ce que tous les acteurs impliqués, à savoir les candidats, les électeurs, les personnels des bureaux de vote et les observateurs, puissent participer dans le processus en toute quiétude et à l'abri de tout danger ou de tout risque de subir des actes de violence. Nous donnons les mêmes garanties pour le matériel électoral, de leur transport à leur surveillance au quotidien, en passant par leur entreposage. Notre plus grand souhait est qu'au terme de cette journée d'échange, tous les participants et tous les acteurs se fassent une idée des enjeux et défis du processus référendaire électoral, se l'approprier par-dessus tout, soient clairement conscients de leur mission et responsabilité dans sa conduite et de son aboutissement. Je vous remercie. Le pays, encore une fois, se trouve à un moment crucial de son histoire. Le processus politique est indispensable pour nous sortir de l'impasse où nous nous sommes. Nous devons absolument remettre à ce pays non seulement un nouveau gouvernement en février 2026, mais des instruments pratiques qui permettront à ce nouveau gouvernement de faire son travail. Donc, je salue cette grande initiative entreprise par le Conseil présidentiel de transition, sous le leadership et porteur du dossier des deux grands chantiers phares et incontournables dans l'aboutissement de la transition du 7 février. En 4 mois, nous avons quand même fait de grands pas. D'abord, avec le Conseil présidentiel, nous avons établi le comité de pilotage. Le mardi 12 novembre lancera ses premières activités. Mais surtout, nous avons eu la bonne nouvelle hier que nous avons pu sécuriser le financement adéquat pour permettre au comité de faire son travail. Je peux vous dire qu'à un certain moment, c'était un souci. Avec l'appui technique de la primature, la collaboration avec la communauté internationale et l'engagement du secteur public haïtien à financer ce que nous estimons être un volet important de la transition, nous pouvons annoncer aujourd'hui que ce comité aura à sa disposition toutes les ressources qu'il lui faut pour pouvoir effectuer son travail. Nous avons pu aussi en 7 mois mettre sur pied le Conseil électoral, bien que n'ayant que 7 mois, mais nous sommes convaincus que le Conseil présidentiel travaille d'arrache-pied pour pouvoir assurer que le Conseil ait toutes les capacités qu'il lui faut pour pouvoir avancer très vite dans le mandat qui lui a été donné.
Ces deux chantiers envoient un signal très clair aux politiques. Malgré la crise sécuritaire, nous allons avancer vers les élections. Nous nous sommes engagés à le faire et nous allons le faire. Ils envoient un signal très clair aux politiques que c'est le moment pour vous de venir participer activement et constructivement dans ce dialogue sur la Constitution, mais aussi c'est le moment de commencer à vous organiser pour vous préparer à aller aux élections, à mobiliser, à sensibiliser la population pour que nous puissions, une fois pour toutes, rompre avec des décennies de pratiques qui nous ont de manière continue emmenés vers cet abîme que nous vivons aujourd'hui. Ainsi, avec le lancement de la conférence nationale par le comité de pilotage, dont les résultats des assises serviront également à la révision constitutionnelle, le processus référendaire électoral devant s'achever entre le début et la fin de 2025 est lancé vers l'aboutissement de la transition au 7 février 2026 avec des élus à la gouvernance du pays, dont un président élu. La mise en œuvre, la réalisation et l'aboutissement de ces deux grands chantiers de la transition constituent à n'en pas douter de grands défis dans le contexte sécuritaire, économique, social, humanitaire que vous connaissez toutes, tous. Cette journée d'échange sur les défis et les conditions de réussite du processus référendaire électoral arrive donc au bon moment dans le cheminement des délais impartis de la transition pour ces deux chantiers. Dans mes discussions en bilatéral, je sais qu'il y a souvent beaucoup de scepticisme sur les élections l'année prochaine dans le contexte de crise où nous vivons. Ma réponse est toujours la même. Nous n'avons pas le choix. Le peuple haïtien s'attend à ce que nous livrons et nous gagnons cette bataille en son nom. Et nous sommes engagés à le faire. C'est pour ça d'ailleurs que cette année encore, dans le budget, nous avons pris les dispositions pour que d'ici la fin de l'année, près de la moitié de ce qui est estimé pour pouvoir aller aux élections est déjà couvert. Et nous avons déjà commencé le processus de la mobilisation des ressources supplémentaires pour que nous n'ayons pas de problème de ressources le moment venu. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons renforcé notre équipe pour pouvoir donner l'accompagnement qu'il faudra au CEP, au conseil, pour que lui aussi il puisse faire son travail dans un environnement qui lui permettra quand même d'arriver et de maintenir un calendrier qu'il aura déterminé, j'espère, dans les prochaines semaines. Les recommandations qui suivront de ce forum permettront de préparer le terrain pour faire face aux grands enjeux et défis politiques de la phase de vitesse de croisière de la transition à partir, j'espère, de janvier 2025, notamment la conquête de la confiance et la participation de la population dans le processus. Plus que jamais, je pense qu'il est important que les deux branches de l'exécutif développent des attitudes cohésives, consensuelles et coordonnées pour résoudre dans une large mesure les questions sécuritaires et humanitaires afin de permettre à toute la population, dont les déplacés en âge de voter, de jouir et d'exercer conformément et librement leurs droits et devoirs citoyens tels qu'ils seront garantis par la Constitution révisée, la Déclaration universelle des droits humains et son pacte relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration américaine des droits de l'homme ainsi que la Convention des Nations unies contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Nous continuons à avancer et nous ne pouvons pas faire back. Nous pouvons aller vers le référendum pour 2025. Pas gain route, pas bois. 7 février 2026, transition à bout. Élu dans le PIA qui sortit dans bon genre élection, sans magouille, sans violence, sans contestation. C'est garanti ça, Mbano, je dis.